Bonjour à tout le monde. Donc vous fais cette vidéo. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine, alias Sandrine Tuto Tricot Crochet. Et j'ai Instagram, Facebook, Google+ et Ravelry. Mais pour l'instant, comme c'est en anglais et pas très français, j'y arrive pas. Mais un jour viendra. Comme je dis depuis quelques temps. Alors, je vais vous présenter. J'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres un catalogue des éditions de Saxe. Enfin, c'est un autre catalogue que je vais vous présenter parce que ben, Noël arrive. Donc, ils m'ont envoyé un autre. Donc, je vais vous faire voir parce qu'il y a plusieurs pages. Les éditions de Saxe. Et ils offrent ça. Si vous faites une commande, ils vous font la veste du petit ourson. Oscar, je crois. Si je lis bien à l'envers. Oui, Oscar. Donc, il y a le patron. Il y a tout, tout inscrit. Il y a tout. Et bien là, la livraison. Zéro pour le paiement de la livraison, par contre, hein, comme d'habitude. Bien sûr, l'enveloppe, hein, qui est normale. Après, il y a les kits indispensables pour assouvir, pardon, vos rêves de création. Il y a même le numéro de téléphone si vous voulez. Voilà. Et après, il y a. Je vous fais voir. Hein. Il y a ça. Ah, ça se présente tout en kit. Alors là, je vois plus. C'est ce que je fais. Hein. Ah, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, j'espère. Ça, vous me le direz en commentaire si vous n'avez pas bien vu. Après, il y a ça. Voilà. Pardon. Après, il y a ça. Et après le derrière, c'est ça. Il y a des pelotes. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, c'est d'un genre de broderie diamant, pardon. Donc j'adore ce petit chat là, avec la neige. Le chat noir, et là c'est la broderie, mais mandala. Je ne savais pas qu'il y en avait, du coup, j'aimerais bien essayer. Si vous faites toute commande, enfin, si vous voulez le commander, bien évidemment, si vous faites toute commande sur chez eux, ils vous offrent pour le patron. Et le papier cadeau graphique et tendance pour chaque produit acheté. Bien sûr, la livraison, elle sera gratuite. Et la commande, vous la payerez qu'en 2019. Donc, je vous fais voir d'abord. Voyez, je vous dis pas de bêtises. C'est bien marqué ça. Vous faites une commande et vous payez pas maintenant. Vous payerez qu'en 2019. Voilà. Et après, vous avez des choix, hein, dans les paiements. Vous avez par 3 fois, par 2 fois, le 2 janvier ou par chèque. Enfin, après, c'est vous qui voyez.
Je fais voir. Ah oui. Mais ça, je fais voir. Je vais pas vous le refaire voir deux fois quand même. C'est pas bien. Voilà. Et après, il y a ce petit catalogue. Voilà. Tant j'y suis, je vous fais tout voir. Hein. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pages, je vous rassure. Voilà. Je sais pas si vous... Voilà. Si vous voyez bien ce que je montre. Voilà. Pardon. Désolée, le rhume ne me quitte plus. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, je ne sais pas comment me mettre. Donc voilà des quatre, des livres, oui, c'est des livres, qui vous expliquent plein de choses. Voilà. Voilà, il y a pas mal de livres, de catalogues. Oh, j'arrive pas là. Et qui vous font voir les points de croix, les tout ce qui est broderie, c'est intéressant. Moi qui voudrais en faire. Et en plus, ils vous font voir pour faire des beaux sacs. C'est vraiment pas mal, hein. J'aimerais moi avoir au moins un kit. J'aimerais. Mais bon, on verra. C'est mon chéri gentil. Il me dira petite oui. On verra bien. Y a pas mal de belles choses. Non, ça va pas le faire comme ça, je vais pas l'abîmer non plus. Voilà. J'essaye de le montrer le mieux possible. J'espère que ça va aller. Vous allez bien voir. Voilà. Voilà. Enfin, il y a pas mal de choses. Même il y a des livres, j'ai vu. Pour apprendre à se servir d'une machine à coudre, à savoir faire des projets avec. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a plein, 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 plein de choses. J'aimerais au moins une fois commenter chez eux, au moins une fois. Enfin, un peu, enfin, une fois. C'est vite dit. Au moins une. En plus, on paye qu'en 2019. Alors, je vais pas prendre une grosse commande. Pas besoin de. Juste un kit. J'aimerais. Voilà. Là, il est joli ce portefeuille en tricot. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors j'adore cette page pour une seule et simple raison, ici, pour les enfants. C'est trop mignon. J'adore.
même pour faire des grandes chaussettes. Et en plus, un livre de 112 pages, 21 fois 25,5 cm pour 19,90 €. Et chaussons ajourés, ben les chaussettes aussi, hein, ça ajouré, 12,50 €. 64 pages, 21 fois 25,7 cm. Et le livre là de coccinelles, insectes et papillons, celui que je vous ai fait voir, là, ici, le tout nouveau, en plus, il vaut 17,90 €. Et celui-là en bas, là, 14,90 €, où il y a la souris, le panda, enfin, l'hippopotame et le pingouin. Désolée, oh là là. Après, il y a ça. Désolée, franchement, j'en ai marre de ce rhume. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah oui, ça m'avait fait penser non, non, c'était pas ça. Non, mais enfin bon, il y a de la... En haut, il y a, pour ceux et celles qui aiment l'art de la frivolité, pas trop ce que c'est soit à crocheter, soit à broder, au tricot, ajouré, motif inédit au tricot, tout ce qui est en haut. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Voilà. Donc j'étais contente de recevoir ce catalogue parce que comme c'est bientôt les périodes de Noël et tout, il y a toujours un catalogue de plus. Alors là par contre j'aime bien parce que les beaux livres à glisser sous le sapin, c'est pour ce livre. Alors oui, j'avoue, c'est presque 25 €. Je vais pas forcément me le prendre, mais ça vous explique comment vous créez votre propre livre à vous, votre propre cahier pour écrire ce que vous avez envie. Là. Juste là pour le fabriquer son livre, et j'ai trouvé ça pas bête hein, parce qu'au lieu d'acheter, ben on est fier après de dire ben c'est moi qui l'ai fait, et on est fier de dire ben je l'utilisais. Voilà, donc c'est bien. Après, il y a ça. Voilà. Il parle aussi de ce que je vois souvent dans les tutos en ce moment, les licornes et tout au crochet. Et ils en parlent aussi sur ce catalogue. Après, il y a pour les enfants. Là, c'est pour les enfants. Voilà.
Désolé, mon fils Lucas qui fait du bruit. Voilà. Parce qu'il n'est pas loin de moi, c'est pour ça. Après, voilà. Ah mais voilà, c'est le dernier. Après, bah, c'est le mot de commande, hein, voilà, ouais. Y a pas... Et après, c'est ça. Et le derrière, voilà. J'aime bien le derrière, c'est mignon. Alors, si vous voulez, je vous mets le numéro, le mail et tout, hein, si vous voulez faire les commandes. Mais ceux qui ont déjà commandé le premier que j'ai fait voir, automatiquement recevra celui-là. Parce que je n'ai pas fait de commande pour celui-là. Ça a été envoyé. J'avais déjà fait une demande du premier catalogue gratuit. Donc, il m'avait prévenu qu'il m'enverrait un deuxième. Chose faite. Sauf que j'ai reçu en retard parce que y avait la manifestation, là, des gilets jaunes. Enfin, donc, le courrier n'était pas venu depuis jeudi, vendredi, je sais plus. Jusqu'à que qu'on reçoive qu'aujourd'hui le courrier, quoi. Donc voilà. Et j'avais que ça comme courrier. Donc voilà. Après, je vais vous faire voir. Pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, si vous n'avez pas tout suivi mes vidéos, j'ai pas fini, je suis loin d'avoir fini, mais je perds pas courage. Une couverture, je vous ai fait voir celle de mon fils, mais là il y en a une autre que je vous ai parlé là, pour mon mari et moi, au point crâne. Alors attention, elle est un petit peu plus grandie. Hein. Je fais au crochet pour granny. Oui. Mais elle n'est pas encore à la hauteur de notre lit. Donc, il faut que je continue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Alors oui. Je sais pas s'il y en a qui vont rigoler parce que je mets un bouchon. C'est pour pas perdre mes mailles. Je suis fatiguée. Ma maille. Donc là, vu que je savais plus où j'en étais, bien évidemment, parce que je l'avais laissé de côté depuis quelques temps. Il serait grand temps que je m'y remette quand même. Parce que on l'aura jamais sur notre lit, hein. Puis même sur notre lit, sur le canapé, on verra. Mais je pense sur notre lit quand même. C'était le but du début, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais voir. Ou alors je fais celle-là, je vais faire celle-là qui était pour notre lit, mais je vais la faire en plaid, enfin petite couverture pour le canapé. Et au tricot, j'en ferai une autre pour notre lit. J'ai envie de faire aussi au tricot. La couverture pour une fois, pas toujours au crochet quoi. Et en plus ça gardera un peu plus de chaleur au tricot. Au crochet, vous voyez, le point crâne, il y a quand même des jours. Il y a du jour. Donc voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle est chaude quand même. Hein. Donc voilà. Ça se fait par un groupe de trois brides. Si vous voulez, je fais avec vous un peu. Comme ça sera fait. Voilà. On fait toujours une maille. Oui, je l'avais faite. Pas la refaire. On fait une maille en l'air et après on fait des groupes de trois brides. C'est pas compliqué du tout. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et après on refait une maille.
Et voilà. Par contre, les coins, les angles, là, c'est des. c'est des. Là où je fais les augmentations. Pour ça reste toujours en forme carrée. Donc c'est trois brides, une maille en l'air et re trois brides dans la même maille, dans le même trou. Et re une maille en l'air. Et après qu'on a fait les augmentations de trois brides, une maille en l'air, trois brides dans le même cercle, on refait. Dès qu'on a fait les trois dernières brides, on fait une maille en l'air et après sur les autres, je sais pas comment pour vous dire, les trous là, les arceaux que vous voulez, on refait nos trois goûts de trois brides. Il n'y a que au niveau des angles, pour rester en forme carrée, qu'on fait l'angle. Donc il faut faire des augmentations. Voilà. Ça sert à ça en fait. Et si vous regardez sur une de mes vidéos, j'ai aussi fait un ponceau au point granit. Et c'est pareil. Sauf que les augmentations, ça se porte devant et dans le dos. Et avec un col et tout. Heureusement que je l'ai fini, parce que c'est grand froid, au moins il va me servir. Voilà. Quand j'aurai fini, ben je vais en faire un peu encore. Quand même, parce que je trouve quand même qu'elle n'est pas encore très très grande pour faire même un canapé ou un lit. Ben, le canapé, je pense. Et donc je fais encore un rang de enfin je finis le deuxième rang avec cette couleur rose de chez Action. Aïe, ouh, j'ai mal au dos, pardon. J'ai une crampe. Et après, soit je mettrai la beige de chez Action. Ou alors la belle laine de la Drops de Charisma, mais ça m'embête de la mettre sur une couverture. Je préfère la garder pour autre chose. Donc du coup j'hésite. Je pense que je prendrai celle-là quand même. Enfin, celle-là ou celle-là. Enfin, ça resterait sur du rose. Ouais. Ou alors celle-là, que je pourrais en remettre, celle qui fait un peu arc-en-ciel, qui a un peu de toutes les couleurs. Ou alors, j'en avais une autre plus foncée. Ah voilà. Il faut que je l'attrape. Qui est pareil que celle qui a plein de couleurs. Celle-là. Qui est du clair au foncé. Vous ne le voyez pas, mais c'est dommage que vous ne le voyez pas trop. Mais ça va au clair et au foncé. Je pense que ouais. Bon, je vais voir. Donc, du coup, je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Mais tranquille, tête reposée, je fais ma couverture. J'en fais un bon bout encore. Et après, je ferai un tricot. Et des écharpes pour tout le monde, même s'il y a certaines écoles qui acceptent pas, on peut les mettre quand même à la maison quand on va partir, quand on est en week-end ou quand on voilà, qui a pas besoin d'être à l'école. Ou alors je vais faire, c'est sur la chaîne YouTube de Fan Dinou, si j'arrive à le dire. Elle l'avait fait pour un de ses enfants, je crois. Oui, il me semble. Une écharpe avec une capuche. J'ai regardé plusieurs fois et c'est pas compliqué en fait et j'aimerais bien le faire pour mes petits. Pour adultes, je sais pas, peut-être, sauf que je mettrai pas les oreilles et des petits formes de pattes parce que quand même c'est plutôt pour les enfants. Et sur alors il y a la capuche. D'abord on fait l'écharpe, après on fait la capuche qu'on insère sur l'écharpe. La moitié de l'écharpe et sur le bas elle relève un peu un morceau de l'écharpe pour faire pour faire une petite couture où elle fait pour des poches pour que l'enfant met sa main dans l'écharpe la poche. C'est pas bête, elle a juste après fait des décorations quoi.
Bon, pour les enfants, je le ferai, mais pas pour nous. Pour les adultes, je pense pas. Après, ça peut être marrant, mais c'est plus pour les enfants, quoi. J'aimerais bien. Non, je vais voir. Bon, pour l'instant, je suis à ma couverture. Je reste sur ma couverture. Dès que j'ai fini ma couverture, je pense que je ferai l'écharpe. Ou la couverture au tricot. Ou ben, de toute façon, je ne ferai qu'une écharpe un jour ou l'autre. Et pour toute ta famille, hein, allez hop. Après, je ne sais pas si tout le monde voudra avec une capuche, mais au moins, il y aura des bonnes écharpes. Hein, parce que vu ce froid, c'est bon, quoi. Donc voilà. Et puis, à un moment donné, je ferai quand même une veste. Je vais voir si je peux pas essayer de l'attraper avec du crochet ma veste de bergère avec la laine de bergère de France. Et je crois même que c'est le patron aussi des bergères de France. Si je me trompe pas, il me semblerait, ou fil d'art, ou je sais plus. Et je vais voir parce que ça serait bien, même si j'ai pas la même laine, mais si j'ai le même numéro, ça c'est pas grave. Bon, faut que ça aille aussi ensemble. Elle est noire grise, bon, le noir ça va avec un peu de tout, je pense. Et de finir avec du crochet, rattraper avec le crochet. Je vais voir. Pour l'instant, je me mets bien sûr la couverture. Et après, je verrai. Mais c'est des choses que il va être à venir. Voilà. Des ouvrages qui seront à venir. Donc voilà, je fais des gros bisous à tous mes abonnés. Et merci pour les commentaires très gentils que j'ai eus aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Et je vous en remercie énormément. Ça me fait du bien de les lire. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je vous dis pas de date, ça sera au moment où j'en ai envie, puis surtout au moment où j'avance, hein, c'est surtout ça. Donc ça peut être demain, ce soir, dans 2 jours, dans 3 jours, je sais pas, on verra. Dès que j'avance. Voilà. Parce que je saurais pas quoi vous présenter si je fais que ça, quoi. Vous en aurez un peu marre. Ah oui, il y a aussi des tapis que je veux faire au tricotin, le petit tricotin. Ça, oui, pour pas avoir froid au peloton. Mais bon, ça sera vraiment le dernier, hein. C'est pas le plus urgent non plus. Mais c'est à envisager. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous mes abonnés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à très bientôt.